Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Stellar Blade. Bon bah écoutez, j'ai pris quelques vacances, ça fait longtemps que je suis pas retourné sur le jeu. On va poursuivre. Allez, c'est parti. Bon, tu es prête à partir ? La matrice 11 est un complexe souterrain. Le périmètre de recherche est vaste, donc prépare-toi bien. J'irais bien faire une autre région parce que j'ai encore pas mal de quêtes à finir, mais bon. On va aller tout de même faire la matrice 11, quitte à retourner, j'espère qu'on pourra revenir en arrière. Enfin, on dirait qu'il est temps de tester le détecteur de signal alpha. Oui, et s'il fonctionne comme prévu, tout devrait être plus simple. D'accord, laisse-moi te guider à la matrice 11. C'est parti. Alors voici donc la fameuse matrice 11. Bon, c'est toujours pareil. Un grand désert. Logique. Logique. Est-ce que c'est là aussi un open world? Je sais pas. Si je regarde la carte. Peut-être pas. Alors, on débloque ça d'abord. Qu'est-ce qu'il y a par terre? L'équipe de la grande traversée du désert de Xion se dirige actuellement vers son objectif. Si d'autres participants sont arrivés en retard, veuillez retourner à Xion. Publicité de l'équipement de la grande traversée du désert. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grande traversée du désert là? Alors comment je vais descendre de cette matrice 11? On se lance là? Ah oui. Ça va. Rien dans cette zone là, juste. On va vérifier tout de même parce que bon, on sait jamais. Tiens, je vais vérifier aussi. Ouais, du coup, parce que. Et que ça fait longtemps que j'ai pas joué, je vais me faire déboîter ici un mob. J'ai retrouvé des informations extraordinairement précieuses à propos de l'extinction de la colonie. La véritable traîtresse est dans l'espace. Néanmoins, je ne vais rien enregistrer ici. Je n'ai pas assez de RAM. Les derniers mots d'un inconnu. Qu'est-ce qu'elle a fait alors, la fameuse matriarche? Petit à petit, là, on est en train de s'en apercevoir, ça vient d'elle, mais... Ça
sais pas vraiment pourquoi. Ah ouais, c'est puisque c'était les ascenseurs. Plus grand chose ne fonctionne. Un complexe souterrain. Est-ce une sorte de bunker? C'en est devenu un, oui. Mais avant, c'était une station de métro. Le métro formait un réseau permettant aux citadins de se déplacer. Enfin, ça, c'était avant. Ouais, ça, c'était avant, bon. C'est sûr. Allons vite chercher ce noyau alpha. Évidemment. Alors là, ici, je pourrais faire des TP, très bien. Paramètres de compétences, j'avais plus rien, je crois. Ah, oh, c'est 4 points. Tout de même. Lily, as-tu localisé le noyau? Un instant, s'il te plaît. Je reconstitue les données cartographiques. Je vais commencer par entrer. Ah, rien. Je m'y attendais pas. Je m'attendais quand même à un petit truc. Il y a de quoi exploser un peu partout là, donc gaffe quand même. Si j'ai fait exploser ces trucs, ça me rapporte des choses ou pas? D'azur, un accessoire qu'on fixe sur le lobe de l'oreille, d'accord. C'est une déco, quoi. Ouais, c'est joli. Ça sert à rien, mais c'est joli. Je me souvienne comment R2, bah si pourtant. Voilà. Attention, cet endroit est ancien, son intégrité est sûrement compromise. T'es surpris les gars. Je peux pas le récupérer. Oui, non, c'est des balles. Pardon. Je sais jamais si ça m'éclate sur moi. Avis de retard des transports. Le réseau est actuellement perturbé par des raisons inconnues. Le trafic a donc été interrompu afin d'assurer votre sécurité. N'hésitez pas à vous approcher ou approcher un membre du personnel pour obtenir plus d'amples informations. Veuillez patienter sur un endroit sûr, comme un train ou sur les quais. Nous sommes sincèrement désolés pour cette gêne localisée. N'est pas trop putain. Mais c'est quoi la surprise alors?
pourquoi ne pas garder cette porte ouverte? On ignore ce qu'il peut se passer. Ouais, ça veut dire que... il va y avoir du mob. Cette personne devait travailler ici. Jetons un œil. Ça pue l'embrouille, moi je sais pas trop pourquoi, mais... souvenir de l'employé 38. Eh oh, y a quelqu'un peut me répondre. Bon sang, tout le monde a été tué. Je ne vois rien, il fait sombre. Jérémy, c'est bien ça? Quel soulagement de voir que tu as envie. Attends, ton visage. Ah, lui aussi, il a le visage cramé. Attends. J'ai entendu quelque chose. Derrière! Mais voilà. Le Nighty va utiliser un cadavre comme hôte. Il est mort ou pas? Ah non, il est pas mort. Waouh, j'avais jamais vu un Aitiba utiliser un cadavre comme hôte. On va sûrement rapidement en croiser d'autres. Je n'espère pas. Ici un petit coffre. Là, on ouvre la porte, je pense qu'on se retrouve directement dans l'entrée. Là, il y a un coffre. C'est parti. Non, je tout ferai. Ouais, je tout ferai. Mince, non, réessayez. Allez, un peu de courage, ils sont chiants ceux-là. Sont durs, putain. Ah là là, allez.
Bon, ça me saoule, je ferai ça de mon côté. Ça me saoule, je comprends pas ça aussi. Bon, bref. Je reviendrai, j'essaierai d'y penser par contre. Qu'est-ce qu'il y a sur la map? Je peux pas regarder la carte, évidemment. Ouais, impossible, d'accord. Ok, il n'y a pas de carte. Étrange, il y en avait tout le temps, non? Tu peux monter et examiner les alentours. Ouais, bah deux secondes en fait. Effectivement. Ouais, c'était ça la technique, monter de la voir en hauteur. Aussi. Ouais, fallait les faire péter avant alors, effectivement. Bien Eve. Ivre. Il est mort ou pas lui? Ils ont lentement pris possession du train. Oui, tout à fait. Alors, nous avons choisi de nous isoler pour éviter le danger. Nous avons créé des règles, réduit le gaspillage et nous sommes serrés les coudes. Hélas, la mort s'est abattue sur nous après de terribles tremblements de terre. Les monstres ont réussi à s'infiltrer par les cratères provoqués par ces séismes. Module d'expansion de l'injecteur. Il fait quoi l'expansion de l'injecteur ? Ah d'accord, c'est pour recharger pendant l'injecteur. Ça m'a rajouté, je pense, une barre supplémentaire pour faire des attaques spéciales. J'avais été voir l'autre côté, je suis pas sûr. Ah et oh, tu bloques pas là toi. De ce côté là. Extrêmement bien raté. Ici aussi. Oui,
Ce sont des preuves que les survivants ont vécu ici. À quand remonte la dernière fois qu'un modèle de robe tricotée quotidienne. Des nouveaux vêtements, ok. Quoi ? Quoi ? Ils ont repopé ? Tu pars quand tu veux en fait. Il y a vraiment un problème pour parer, hein. C'est fou. Alors que je me remette un câble. Il y a une trop grosse différence entre le fait qu'on appuie et le fait que la parade se lance. Bref, c'est pas grave. Pour l'instant, en tout cas. Pop, c'est ça? Tiens, je vais rechanger ça parce que... j'aurais eu ça directement, j'aurais pu te faire exploser. Oh. Wow, wow, wow. Ah, c'est compliqué, faut parer en avance, quoi. Il était enfermé, il était tout seul, lui. A l'air sûr ici. Reposons-nous. Ah bon? Belle idée, effectivement. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais aller tranquillement moi faire ce body coffre là. Qu'est-ce qu'il y a ici? La thune. Je vais voir si je peux pas la booster un petit peu, puis je vais revenir à cette zone-là et enregistrer. Parfait, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Autant qu'à moi, il fallait que je remonte par là, oui, si c'est bon. Ici, il faudrait que j'arrive à sauter. Il est là, lui, comment je fais, moi? Voilà. Et non? Je peux pas? Mais je peux le double saut normalement. Raté. Encore raté. Ah bah ça va être joyeux ça. C'est-à-dire à quoi tu sers double saut là? Si de là on peut pas t'attraper. Voilà. Amélioration du drone en plus, parfait. Allez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.